early in the morning. Voici la une du quotidien de service public Le Soleil de ce mercredi et du jeudi 15 août 2019 avec le PDS, le Parti démocratique sénégalais, actualité politique donc à la une, avec un remaniement qui se passe mal. Et ce matin, vous pouvez lire les propos de Maurice Soudek John, il est à la une du Soleil. Ouad veut légitimer l'influence de Karim, dit-il, et il y a justement à la une du Soleil du jour la photo de Maître Abdoulaye Ouad et de son fils Karim Ouad. Je vous le disais également, c'est demain, 15 août, l'élévation de Marie sera donc célébrée. Et sur le sens, justement, vous pouvez lire quelques lignes dans les colonnes du Soleil du jour. Le quotidien, avec le PDS toujours, hein, cascade de démission du nouveau secrétariat. Ouad n'est plus maître du jeu, selon nos confrères du quotidien. Maître Amadou Sall, Babacar Gaye, Cher Tidiane Seck déclinent tout simplement leur poste. Dans les colonnes d'enquête de ce matin, et notamment à la une, eh bien, il y a la grâce contrariée de Khalifa Sall, non-libération de Khalifa Sall. La grâce est suspendue à une demande qui doit venir de Khalifa Sall ou de ses proches. Et puis, dans les colonnes d'enquête ce matin sur cette actualité judiciaire, Maître El Mamadou Ndiaye qui dit la procédure pénale est épuisée depuis le rabat d'arrêt. Dakar Times, maintenant, qui nous ramène à l'actualité politique et donc au Parti démocratique sénégalais, nouveau secrétariat du PDS, vague de démission dans ce parti. Karim Ouad poursuit son sabotage. Et puis, voilà, vous pouvez lire évidemment l'analyse de nos confrères de Dakar Times sur cette actualité très politique, hein, je vous le disais, ce mercredi matin. Stade, quotidien sportif spécialisé en sport avec à la une Sadio Mané qui vise un nouveau titre avec Liverpool, la Super Coupe d'Europe contre Chelsea. Le match, c'est à 19h. Et puis l'afro-basket, les Lions sont en quart, les quarts de finale qui se joue donc ce jeudi, les Angolaises sur le chemin des Lyonnaises. Elles se retrouveront peut-être un peu plus tard. Et puis, Sonu Lamb, voilà, pour terminer la revue des titres de ce matin. C'est l'un des quotidiens que nous avons reçu. Biram Ning, manager de Modulo, qui dit « J'ai deux propositions sur ma table. Ama Baldé, Balagué 2, Tafatine n'est pas dans nos plans. Modulo ne fera pas une saison blanche. Il travaille pour d'autres combats. D'ailleurs, puisqu'il a la couronne en ce moment, c'est normal. Il est l'objet de beaucoup de convoitises. » C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Et comme d'habitude, on va offrir les quotidiens du jour à notre invité. Il n'y en a pas beaucoup hein, ce matin, mais bon, on va s'en contenter. Mais il a l'essentiel hein, avec Le Soleil, le quotidien et deux quotidiens sportifs.